Ah, c'est vous dont on fête l'anniversaire. J'ai de l'ambition. Mais moi aussi. Ah oui? Quand j'aurai 30 ans, je veux avoir $1 million. Moi, je veux me faire 2 millions. Mais vous avez raison de rester modeste. Vous venez d'Australie, hein? Qu'est-ce que vous faites à New York? Si on veut faire carrière dans la chanson, c'est en Amérique qu'il faut aller. Pourquoi le groupe est mieux payé que moi? C'est des hommes. Ils ont une famille à nourrir. Moi aussi, j'ai une famille à nourrir. Ma mère me dit que je dois choisir entre ma carrière et le mariage. Moi, je dis qu'on peut avoir les deux. À partir de maintenant, personne ne nous dira ce qu'on peut faire ou pas. Miss Reddy, vous avez une très jolie voix, c'est vrai, mais actuellement, c'est les groupes d'hommes qui font fureur. Vous connaissez les Beatles, non? Vous êtes-vous jamais demandé ce que les femmes avaient envie d'écouter? Il y a un vrai filon à exploiter. Souvenez-vous de cette marche à New York. Combien de femmes y ont participé? Des centaines de milliers de ventes qui marchent dans la rue. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore. C'est une chanson un peu violente, non? C'est la haine des hommes. Jeff, t'es d'accord avec ça? Tu joues à quoi? Tu veux rompre ton contrat? C'est bien plus qu'une chanson pour moi. Hélène Reddy. Et je voudrais remercier Dieu parce que sans elle, rien n'est possible.